Jour J-13 pour Didier Cuche et tous les acteurs de la Coupe du Monde de ski alpin. Le Cirque Blanc reprendra en effet ses droits le 24 octobre prochain avec un slalom géant sur le glacier de Sölden en Autriche. Et après plus de 5 mois d'une intense préparation, on devine chez le skieur neuchâtelois une certaine impatience d'en découdre à nouveau. Je sens que c'est gentiment le moment que ça reprenne, puisqu'il y a un énorme travail qui s'est fait. Maintenant, ce serait bien de pouvoir avoir une course pour justement voir où on en est, en espérant que ça fasse le déclic assez vite pour une bonne prise de confiance. Et puis, ben, c'est clair que si on arrive à monter en puissance jusqu'au championnat du monde, c'est l'idéal. Sur une piste comme Bormio, qui est très difficile, il va falloir arriver là-bas avec une grosse confiance. Et pour engranger cette confiance, rien ne vaut une bonne préparation estivale que Didier Cuche termine actuellement dans sa région du Val-de-Ruz. Au programme des entraînements de force avant tout dynamique, sans oublier des exercices neuromoteurs pour encore affiner tous les paramètres de coordination chez le skieur. Des efforts pénibles et difficiles, mais qui portent déjà leurs fruits. Au niveau physique, je pense que là, il n'y a pas de problème, il est paré. Il y a encore à travailler, il y a encore à maintenir après pendant toute la saison, parce qu'il y a des échéances importantes en fin de saison avec les championnats du monde. Donc là, il va falloir bien gérer cette condition physique et la maintenir tout au long de la saison. Comparé à l'année passée, on est dans les mêmes, un petit peu mieux même d'ailleurs, que l'année précédente, donc c'est bon signe. Un bon signe, ce d'autant plus que Didier Cuche aura un bon coup à jouer cette saison. Le cercle des skieurs alpins s'est passablement modifié ces derniers mois, à commencer par le départ en retraite de l'Autrichien Stefan Eberharter, vainqueur notamment à deux reprises, en 2002 et 2003, du classement général de la Coupe du Monde. C'est clair qu'Eberharter était le 90% des courses était devant moi, donc... Eberharter part, mais il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui progressent. Donc c'est la même chose pour tout le monde, il faut continuer d'aller grignoter les dixièmes de seconde qu'il y a pour arriver à être sur le devant de la scène le plus régulièrement possible dans les courses. Et avec une telle débauche d'énergie à l'entraînement, il y a fort à parier que le skieur neuchâtelois fera parler la poudre sur les pistes.